L'un envers l'autre. Lune. Oh ouais. Ouais, lune, c'est des femmes. Oh ouais. L'une envers l'autre. Ah ouais. Tu me dis fatwa comme ça for me. And I write your name on my heart for you. I never respected you. C'est fou, Angie. Utakata. Unakataka. Unakataka. Ah, ok. Allô tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez spéciale parce que je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de ma grande sœur juste ici. Elle va se présenter. Tu dis juste ton nom et c'est tout. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Naomi. Je suis la grande sœur à Sarah. Et voilà. Aujourd'hui, j'assiste à sa vidéo. Je suis invitée, donc son invitée spéciale. Parle un peu fort s'il te plaît. Mmh. Et toujours comme ça, je suis capable d'elle. Bon, je suis son invitée spéciale aujourd'hui, fait que je suis là. Donc, on a pris des questions par rapport au sister tag en ligne qu'on va essayer de faire, mais à notre façon, à nous, parce que... Ben, c'est comme ça. Donc, là... Hey, ton téléphone est... Donc, la première question est, quel âge avez-vous et combien d'années de différence il y a entre vous? Est-ce que je commence ou tu commences? Tu commences. Alors, moi, j'ai 19 ans, 20 ans cette année. Moi, j'ai 23 ans. J'aurai 24 ans cette année. Le 31 octobre, là, le jour d'Halloween. J'aime pas trop cette date. On t'a pas demandé tout ça. Really, nigga? Hein? On t'a pas demandé tout ça, juste ton âge. Non. Ah! Bref. Non, toi, Donc, c'était, et combien d'années de différence il y a entre vous? Dans le fond, on a 4 ans de différence. Oui, 4 ans. Mais on dirait que c'est moi qui est plus vieille, par exemple. Ouais. Je suis plus vieille. La deuxième question, êtes-vous complice ou vous vous prenez souvent la tête? Je pense que c'est un peu de deux. Des fois, on est complice, des fois, on se prend la tête. Et je pense que c'est souvent moi qui fais chier, genre. Ouais, parce que je suis très très chiante. Ouais, du genre, je peux juste venir te déranger. Genre, je viens juste dans ta chambre, je fais chier puis je repars. Genre. Ouais, je suis plus capable de ça, c'est vrai. Quels sont les meilleurs moments que vous avez passés ensemble? Arrête de trop rire bêtement. Je réponds? Ouais, quels sont les meilleurs moments qu'on a passés ensemble? Le meilleur moment, vu que ça fait juste un an qu'elle est au Canada, ouais. Je pense que. Deux ans cette année! Ouais, deux ans, mais je parle de l'été passé. Quand on avait eu plus de temps, on est sortis, on est allés magasiner ensemble, on a eu beaucoup de temps ensemble. On a beaucoup voyagé aussi ensemble quand les parents étaient là, fait que c'est plus l'été passé. C'était des moments fun que je me rappelle, ouais. Moi, je pense que... Toi, c'est quand? Tous les jours. Quel est votre style de musique préféré? On a vraiment deux styles de musique différents. Des styles vraiment différents. Du genre, moi j'écoute plus de musique de partout. Genre, j'ai vraiment pas de limite et tout. Mais elle, c'est plus chrétien. Genre de musique chrétienne. Moi je mélange de tout. Parfois chrétien, parfois mondaine. Je suis 50-50. Côté musique, bien sûr. Ouais. Moi, par contre, je sais ce que je veux. Là, c'est des chansons chrétiennes et rien d'autre. Voilà. Quelle est la chose qu'on aime faire ensemble? Je pense qu'on aime manger ensemble. Ouais, manger. Ouais. Manger. À part manger. On n'a rien. À part manger, je pense que... Bon, papoter de temps en temps, mais plus manger, je pense. Je pense qu'on a plus de temps qu'on mange. Manger. Parce qu'on mange plus. On mange vraiment beaucoup. Beaucoup. Ok, ouais. Next question. Ensuite, qu'est-ce qui t'agace le plus chez moi? Oh ouais, t'es chiante. Mais qu'est-ce qui t'agace, genre? Ce qui m'agace chez toi? Ouais. Quand t'es énervé, là, j'aime pas. Ok. Quand t'es en colère, quand t'es énervé, parce qu'elle raconte trop de n'importe quoi. Puis ce que j'ai appris avec elle, ce que je prends pas, faut que j'apprenne à ne pas prendre ce qu'elle me dit souvent à cœur, parce que moi, je suis sensible, tu sais, mais moi, non. Quand elle est énervée, là, elle raconte de n'importe quoi, puis je l'écoute juste. Je prends pas à cœur parce qu'elle raconte vraiment de n'importe quoi. Ben, c'est normal, quand t'es énervée, je pense que tu penses pas ce que tu dis. Puis non, toi, t'exagères. Mais non. Ben ouais. Et en tout cas, ce qui m'agace chez elle. Bon. Qu'est-ce qui m'agace chez elle? Elle est lente.
Elle est vraiment lente. Je dirais comme une tortue, pire qu'une tortue. En quoi je genre, suis lente? Pour, je peux lui demander un service, genre, elle prend vraiment son temps. Elle est lente. Service, par exemple. Du genre, un jour, j'étais dans ma chambre. Mm. J'ai dit, est-ce que tu peux venir dans ma chambre? Elle me disait, non, toi, viens. J'ai dit, mais moi, je t'appelle. Est-ce que tu peux venir dans ma chambre? Non, en fait, elle est lente. Genre, elle prend son temps. Pourtant, c'était une vidéo que je voulais la montrer. Fait que elle prend vraiment son temps. Le mot dépasse pas là. Non, mais si elle sait que je suis lente, elle peut se déplacer parce qu'elle sait que je suis lente. Mais là, moi, j'étais bien couchée. Je voulais juste qu'elle vienne. En tout cas, anyways. Prochaine question. Oh, ouais, ça va. Décris-moi en trois mots. Gentille. Belle. Mais non. Ouais, c'est pas que c'est ça. Chiante. Ouais. Mais là, ça c'est. Ouais. FDR. Ok, ouais. Moi je te décris en trois mots. Non, mais quoi? Gentil aussi, mais ça dépend de son humeur. Ah ouais, ça c'est. Ça dépend de jour. Ouais. Très, elle est très genre. Elle donne beaucoup. Genre, elle est pas du. Genre, ce que j'aime bien chez elle, c'est que genre, je peux venir lui demander un truc. Genre, je veux manger un truc. Elle va me dire qu'elle a pas d'argent, mais elle va finir par me l'acheter, tu comprends? Genre, j'essaie qu'elle va finir. Genre, je sais que juste le fait que j'ai envie de quelque chose. Elle va rester se poser des questions, genre, elle veut manger ça, elle veut manger ça. Puis, même si elle n'a pas d'argent, elle va même l'acheter quand même. Je pense vraiment, elle est très sociable, qu'on dit. Je pense que c'est l'amour, hein. Non, bon, non, l'amour quand tu donnes soeur. Beaucoup, c'est sociable ou c'est... Je pense que c'est plus la générosité, je ouais, pense. Ouais, je pense, généreuse. Ouais. Puis, troisième je chose, elle sourit beaucoup. Comme maintenant d'ailleurs. Ouais, elle sourit, mais ça dépend du jour aussi, hein. Parce que quand elle est nerveuse, elle sourit pas d'elle. Ouais, c'est pas mal ça. Chaque jour n'est pas dimanche. Entre nous, c'est qui la plus talentueuse? La plus talentueuse. Ouais. Je pense que c'est elle. Ouais. Mais niveau cuisine, je pense que c'est toi. Ouais. Mais ouais. Autre chose, c'est elle. Moi. Qui lit le plus? Elle. Ouais, c'est juste pour mes cours, par exemple. Ouais. Sinon, lecture normale de ma vie, excusez, c'est elle qui mais... lit beaucoup. Non. Qu'est-ce que ta sœur pense le plus? Sur quel plan, exactement? Mais, je sais pas, c'est une question qui n'a pas de sens. Bon, next. Ouais. Une chose que tu peux faire que ta sœur ne peut pas faire? C'est quelque chose que moi je peux faire que ma soeur ne peut pas faire. Crier. Elle crie pas. Je pense que moi je crie beaucoup. Même quand je parle, je crie. Genre, je suis seule dans la chambre, je crie. Ouais, je pense que c'est ça que je peux faire ou pas faire. S'habiller sexy aussi. Ouais, ça, genre, non, moi non. Je m'habille comme là maintenant, là. Je peux pas m'habiller sans décolleté par exemple. Oh non, moi je. Faudrait que ce soit bien décolleté. Plongeant, you know. Mm. Or, ouais. Moi, non, elle c'est plus col roulé comme vous voyez. Là. Non, moi c'est non. Oui. Non. Bon, je dois répondre à la question aussi ou non? Ouais, je pense. Ce que je peux faire que tu peux pas faire, ouais. Bon, s'habiller comme là, bon, ouais, je peux l'habillement est non, elle peut pas. Je peux pas. En fait, non. Je vais pas m'habiller. Genre, je peux m'habiller s'il fait froid par exemple, mm. Mais sinon. Mon look quotidien, c'est décolleté. Il faut qu'il y ait un décolleté. Il faut, c'est obligatoire, là. Je me vois pas comme ça, là, si je fais pas, genre, moins 25. Là. On a vraiment des styles vestimentaires très différents. Vraiment. Ouais, un style vestimentaire différent. La prochaine question. Quelle est l'habitude étrange de votre sœur? Ouais. Tu commences? Ouais, non, tu commences. Parce que moi, j'y pense en même temps. L'attitude, l'habitude. L'attitude. L'habitude. L'habitude. C'est quoi l'habitude? L'habitude, tu sais, les genres de réactions que tu manifestes souvent, là, tu sais, négatives. Quand elle est pendant ses examens, en tout cas,
elle boude. Genre, tu sais pas trop si elle boude, si elle est énervée, si elle n'est pas d'humeur, mais juste à la regarder, t'as peur de l'approcher dans le fond. Ouais. Fait que souvent elle est chiante. Fait que le mot chiante que je dis là, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Mon quotidien. Ça dépend de son tempérament souvent et juste son visage. Elle exprime son visage tellement. C'est comme genre, ça dit, écoute, t'approches pas de moi, là, je suis pas d'humeur. Et du coup, je lui parle juste pas là. Tu sais, elle a des expressions un peu. Non, c'est pas des expressions, c'est genre, parle pas, je suis pas d'humeur, genre, je dis cache. Je veux pas te parler. Ouais. Fait que ne parle pas. Parce que je sais que si elle me parle, ça se peut que je réponde mal. Ouais. Fait que je dis juste, ne parle pas, je suis pas d'humeur. Puis je me tais. Ouais. J'ai appris à me taire, puis juste à observer. Ouais. Qui prend plus de temps pour se préparer le matin? Elle! Je jure devant Dieu, elle prend une heure. J'ai bien plus d'une heure minimum. J'ai bien dit une heure minimum. Que ce soit le matin ou la nuit pour se préparer. Je sais pas ce qu'elle fait. Mais franchement, moi j'ai pris l'habitude de me doucher tôt. Genre, je me douche la première. Genre, si je pars en cours, ah oui, je suis là à 8h30. Elle aussi doit aller travailler. Je pense que je me lève à 7h pour me doucher. Parce que je sais que dès qu'elle entre dans la salle de bain, c'est parti pour des heures. C'est parti pour des heures. Que ce soit le matin ou la nuit, là. Je sais pas ce qu'elle fait, mais. En fait, je prends vraiment mon temps, tu sais, de me frotter, me rincer, mais. Mmh. Tu sais, j'y prends vraiment mon temps. Ma soeur est pas comme ça. Elle, c'est du sweat, là. Genre... je sors. Le matin, mais la nuit, je prends mon temps, c'est horrible. Hein. Mais le matin, moi, c'est juste enlever la sueur, que je... la nuit, genre. Je m'en vais. Ouais. Mais elle, le matin, le soir, une heure minimum, hein. Obligée. Alors, la dernière question. Quelle est la meilleure chose à propos de vous, les uns les autres? Genre, quelle est la meilleure chose? Quelle l'amour qu'on a l'un envers l'autre. Lune. L'un envers l'autre? Lune. Oh, ouais. Ouais, lune, c'est une femme. Oh, ouais. Lune envers l'autre. Ah, ouais. Non, mais genre, moi, je n'éprouve pas que je l'aime, par exemple. Mais elle le sait, je pense. Elle me dit jamais ou, disons, elle me dit pas tout le temps. Ça arrive qu'elle l'église, peut-être. Mais souvent, j'ai l'impression qu'elle me dit « je t'aime ». Tu sais, un jour, elle écoutait une chanson, là, elle disait « je t'aime », puis je suis comme « ah, tu m'as dit « je t'aime ». Et comme « non, je suis en train d'écouter une chanson ». Puis je suis comme « ah, ok ». Non, en fait, moi, je le prouve. Je suis pas juste là à te dire « je t'aime » matin, midi, soir. Mais elle, elle va te le dire, par exemple. Moi, je lui dis, ouais, puis je l'éprouve, fait que je fais le deux en même temps, ouais, en fait. Mais moi, je suis plus « je te le dis ». Non, je te le prouve. Ah, oh, ouais. Ouais, genre, je fais la vaisselle à ta place. Pendant que tu fais quelque chose... moi, je vais t'aider. Ouais, quand je suis malade, tu prends aussi soin de moi. Ouais, genre, ouais. Mais je te le dis pas, genre, je te dis pas que je t'aime. Ouais, c'est ça. Sauf que tu changes un peu. Ouais. Qui aime les talons ou les chaussures plates? Je pense les talons, c'est elle. Moi, c'est plus basket, sandales. Les talons, c'est juste quand je vais à l'église, que je sors. Là, je me force, hein? Oh, ouais. Ah, je me dis, j'aurais mal au pied, mais... allons-y. Mais elle, ses talons, matin, midi, soir, elle est tellement habituée que peu importe la hauteur, ça dérange. C'est la classe. Ouais, ça dérange vraiment pas, mais moi... Mais moi, les talons, c'est vraiment la classe. Ouais. Vraiment. Pour elle, c'est ce que ça veut dire, mais moi, je pense qu'une femme doit mettre tout. Genre, des fois, je mets des talons, des fois, j'en mets pas, fait que... C'est pas mal ça. Puis la toute dernière question... quelle est la nourriture ou la boisson préférée de votre sœur? Ma sœur, je commence ou tu commences? Commence. Sa nourriture préférée, si je m'en souviens bien, c'est la pizza. Ah, oh non, Sarah. Non? Ça, c'est pas une nourriture. Non, ok, c'est pas une nourriture. Mais nourriture, c'est banane plantain frit avec du poulet braisé. Ouais. Et la boisson, je pense, elle a pas vraiment de préférence. Elle boit tout? Ouais. Genre, elle boit tout. Mais... ça dépend aussi. Là, si je bois tout, mais j'aime plus le croche. Fanta? Fanta croche, ouais. Elle, c'est plus le coca. Ouais. Tu sais, dans les boissons gazeuses, là, elle, c'est plus coca, puis moi, c'est plus Fanta croche. Ouais. Mais concernant la nourriture préférée, je pense qu'on a des mêmes préférences. Ouais, un peu. Banane plantain, poulet braisé. Oh, ouais, quand on prépare ça, ou on passe. Chèvre, ça. Ou tabac. Ouais, tabac au tumba. Bon, ça, c'est à Lingala. Ouais. Alors, quel est ton surnom de famille? Quel est mon nom de famille? Moi, c'est Billy Bois. Mon surnom, pas nom de famille. Les surnoms que dans la famille dont on m'appelle le plus souvent, genre. C'est Sarafina, je pense. Sarafina, ouais. Elle, c'est pas, hein? Moi, mon oncle, elle m'appelle tout le temps Nami Campbell. Je sais pas pourquoi, mais...
Ouais. Mais... Tonton, papy, m'appelle tout le temps mamie quand même. Mais sauf qu'on te demande ton surnom de famille, pas forcément qu'une personne t'appelle comme ça, mais que tout le monde t'appelle comme je ça. Je sais pas. Toi, tu te rappelles, est-ce que j'ai... En tout cas, moi, à ma connaissance, j'ai pas de surnom de famille à part Naomi. Moi, je l'appelle 6. Bon, 6. C'est elle qui m'appelle 6. C'est que... Voilà. Puis, je pense que j'ai fait le tour des questions. Moi, j'ai oublié une question. Oh. Ouais. Ok. Ouais, je pense que ça va être tout. Donc, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, abonnez-vous. Hein. Vous pensez que je rigole. Hein. Abonnez-vous. Mettez des pouces en l'air. Exact. Partagez la vidéo. Et si vous aimeriez voir ma soeur pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me marquer dans le commentaire. Parce que je pense que, ouais, on va quand même bien ensemble. En tout cas, marquez dans le commentaire si vous aimeriez plus la voir. Puis on va essayer un peu de matcher nos horaires pour faire des vidéos. Exactement. Puis sinon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Ouais, partagez la vidéo. Abonnez-vous! Je suis tannée. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bye bye.